comment ça va mes petites sphères, c'est SNS. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui franchement j'avais trop la dalle, j'avais envie de faire un petit McDo. Du coup, je me suis pris mon deuxième sandwich préféré après le Royal Deluxe, mais comme je l'avais expliqué, le Royal Deluxe, je sais pas pourquoi en ce moment, ils le font plus. Je me suis pris un petit 280. J'avais envie de me faire plaisir avec un petit wrap. Et attendez, je sors le reste des potatoes, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Attendez, petite patate. Toujours le même plaisir, franchement. Et pour terminer, pour ceux qui me connaissent, petite bouteille d'eau. Donc, il y a les sauces de luxe, attendez, je vous sors tout. Et toutes les sauces ketchup, mayo, etc. Voilà, vous pouvez le voir, voilà Bobby. Et du coup, comme je vous l'ai dit, je vais en venir tout de suite. Enfin, je commence à manger d'abord, hein, parce que hein, j'ai trop la dalle. Donc, je voulais vous dire, en ce moment, je fais des dégustations, ça me fait plaisir d'en faire, tout simplement. Parce que j'aime ça et je trouve ça marrant, en fait. Quand j'ai des trucs à vous dire, au lieu de me filmer et juste de vous dire des trucs, je me filme et je mange et je vous dis des trucs comme ça, ça vous fait passer le temps. En plus, vous aimez bien les dégustations. Donc, le Burger King a enfin ouvert. Je vais vous faire une vidéo, mais l'autre fois j'avais trop la dalle et j'avais la flemme de sortir la caméra et tout. En plus j'étais pas seul, du coup j'avais la flemme. Et j'ai mangé mon petit Burger King, mon petit Whopper. Sans faire une dégustation. Donc, franchement, c'était trop bon. Sauf j'ai pris un petit... en dessert, j'ai pris un petit... Comment on appelle ça? Une sorte de petit brownie. C'est un petit carré, franchement, c'est du foutage de gueule, le brownie. Il est comme ça. Attends, ça a l'air gros, là, quand je rapproche mes doigts. Enfin, bref, le brownie doit faire, je sais pas, moi... C'est un tout petit carré! 5-6 cm, enfin, je sais plus. Il fait la taille de mon pouce, en fait, le brownie. Voilà. De là à là. Tout petit, 2,50€, un truc comme ça. En plus, c'était dégueulasse. C'était pas un brownie, c'était une sorte de gâteau au chocolat avec, on dirait, il y avait du miel dedans. Enfin, pas... Franchement, je vous déconseille si vous voyez ça. Mais ça, je vous conseille. Qu'est-ce que c'est bon. Oh mince. Je kiffe le 280. Bon appétit à vous, hein, si vous mangez en regardant la vidéo. Mon sandwich préféré, c'est Royal Deluxe. Après, c'est le 280. Et je kiffe aussi les wraps. Tout quoi. Sinon, n'oubliez pas. Déjà, vous pouvez me proposer plein de choses sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me dire sur Twitter, si vous voulez pour la prochaine dégustation, qu'est-ce que vous voulez que je déguste? Burger King, ce que je n'ai pas encore fait. Une pizza, etc. Ce que vous voulez. Et de me suivre aussi sur Instagram. Tout est dans la description, les liens et tout. Pour être au courant de moi, tu as été, etc. Voir mes... Miaou. Mon chat qui miaule. La petite tomate. C'est un plaisir, je m'en remettrai jamais. C'est tellement bon. Oh là là.
Ah, je me délecte. Bon, comme d'hab, il y a un truc que j'adore faire. Je mets mon doigt. Trop bon. Trop, trop bon. Attendez une seconde, j'ai oublié les serviettes du McDo. Je fais tomber ma petite une serviette, enfin la bouteille d'eau en, en prenant les serviettes. Bon, bah on continue. Hein. Tiens, d'ailleurs, vous êtes plus pizza ou hamburger, vous? Moi, bon, y a pas photo, je suis hamburger. C'est. Là, c'est mon plat préféré. Et même, je trouve que c'est. C'est plus pratique à manger, c'est. T'as le pain, t'es comme ça, tu manges. Tandis que la pizza, c'est des parts et tout, c'est. Bon, les pizzas aussi, j'ai mangé avec les doigts, mais je sais pas. Je kiffe les sandwichs, donc voilà, deux tranches de pain, la garniture, une viande, ah oh, c'est le kiff. La big tomate. Bon. Alors attendez, je vais me faire un petit kiff. Déjà, je vais tremper ça. Je vais vous donner un truc, une astuce ultime. Vous allez devenir fou. Forcez-vous à manger. Vous allez encore plus apprécier les fast-food, etc. C'est ce que je fais, franchement, c'est magique. Donc, forcez-vous à manger équilibré. C'est-à-dire. Bon, je vais pas vous faire la morale, mais. C'est bon pour la santé, mais forcez-vous à manger, genre. Tous les jours, équilibré. C'est-à-dire. Des légumes, etc. Je sais pas moi. Des haricots verts. Des petits pois carottes. Des lentilles, etc. Avec une viande blanche. Ensuite, légumes, il y a plein de choses. Les brocolis, tiens. Les brocolis, c'est super bon. Enfin, même si avant, j'ai dit ce que j'ai dit, c'était des légumes. Mais là, je parle pour les brocolis, c'est. Ouais. Tu peux en manger en entrée, etc., en plat chaud. Tu peux te faire une salade aussi en entrée, etc. Et tu manges ça tous les jours. Et une fois par semaine, tu te fais un plaisir fast-food. Tu vas kiffer. Tu vas kiffer ta race. Je te le dis tout de suite. Franchement. Parce que si tu manges tous les jours fast-food ou de la malbouffe, t'apprécieras pas. Tu diras, ouais, bof, ouais, c'est bon, mais sans plus. Tu verras. Fais-le. Tu testes une semaine à manger. Super léger, super sain. Tu verras quand tu vas taper ton McDo, tu m'en diras des nouvelles. Oh, c'est trop bon. On va prendre une petite gorgée d'eau. Ah. Elle empêche chacun. Hein. Mmh.
ce n'est pas une potatoes à la mayonnaise, c'est une mayonnaise à la potatoes. Il ne veut jamais faire le focus. Qu'est-ce que c'est bon. Je me régale. J'espère que vous mangez aussi. À la vôtre. Ramène ton manger. On va faire chin. Chin. C'est trop bon. Je peux dire que t'as plus envie. Oh, mais chef, fout le bordel. J'allais dire que t'as plus envie de manger et te taire que parler. Par contre, mon gros défaut, je trouve, au McDo, c'est que je suis un gros mangeur de sauce. Au McDo. Je kiffe. L'autre jour, je me suis fait un McDo. J'ai halluciné, j'ai mangé 6 sauces de luxe. En même temps, franchement, je crevais la dalle. J'ai fait du sport à mort et tout. J'étais claqué, ça, j'avais la dalle. Du coup, je voulais me faire plaisir le soir. J'ai mangé un 280 avec un cheese, avec un wrap, avec 4 nuggets, avec 6 sauces de luxe, 2 ketchup et 2 mayo. Je vous jure, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais mangé autant. C'était un truc de ouf. Mais qu'est-ce que je me suis fait plaisir. Potatoes. Bon. On va terminer par le wrap. Et ce sera tout. Bon, vous me connaissez si vous... Si vous... Ah, petit message. Je répondrai après, désolé. Franchement, vous allez dire, si vous commencez à connaître mes vidéos dégustation, vous savez ce que je vais faire. Vous voyez mon wrap. Adrien. On en refait une. Ouais, je sais, j'ai un souci. Je mets énormément. Dans mes wraps, en fait, je mets de la sauce ketchup. Parce que je trouve que le wrap, il est sec, il les font mal. Avant, ils étaient trop bons, t'avais besoin de rien mettre. Mais maintenant, vous êtes prêts? Adrien. Ouais. Allez, Bobby. Bah, allez, tu sais quoi, il me reste une sauce ketchup. Hein. On va l'utiliser. Bah oui, attends. Attends, Bobby, on va pas la laisser comme ça. Donc, j'ai mis 3 sauces ketchup. Regardez. Adrien. Voilà. Bon. Et là. Les wraps, c'est magique. Ça fuit par en bas. Je vais manger comme ça, parce que ça tombe. C'est trop marrant. Il y a mon chat qui me regarde manger depuis tout à l'heure. Méchant. Regardez. Attendez. Il y a lui. Je galère parce que j'ai pas le retour. Enfin, je baisse la caméra. Il y a elle sur l'arbre à chat.
Il y a lui là-bas à la porte. Bon. C'est trop marrant, à chaque fois il me regarde manger. Bon. C'est lourd à mâcher, hein. Ouais, en tout cas. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi me dire sur Twitter pour la prochaine dégustation, qu'est-ce que vous voulez me voir manger. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Attendez, je bois une dernière petite gorgée d'eau. Parce que l'eau, c'est quoi? C'est la meilleure boisson au monde. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles Hommes Petits Sphères. Allez, ciao tout le monde. Ouh.